Ouais, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, peut-être le retour de Nokia sur le marché des smartphones. Oui, parce qu'on peut pas dire que Nokia soit une marque de smartphones hyper représentée dans le secteur, c'est un peu dommage. Et là, Nokia vient de nous annoncer un truc incroyable, c'est qu'ils vont nous sortir un smartphone 5G, d'accord ? Sous la barre des 300 euros. Voilà, la messe est dite. On aurait plusieurs versions de ce smartphone, c'est le G50, voilà, pour vous donner le modèle, le Nokia G50. Il a été aperçu il y a quelques semaines en Chine lors d'une présentation. Et il y aurait plusieurs versions. Une première version avec 4Go de RAM et 64Go de stockage. Une seconde version, toujours 4Go de RAM et 128Go de stockage. Et une dernière version, dite haut de gamme, 6Go de RAM et 128Go de stockage. La version la plus abordable de ce smartphone sera commercialisé à 279,99€ pour un smartphone 5G. Pour rappel du petit détail, quand même, ça a son importance. Alors évidemment, il y a des concessions qui ont été faites. La première, c'est sur l'écran. C'est un écran HD+, classique, 6,82 pouces. À l'intérieur, on aura un processeur Snapdragon 480 qui inclura une puce 5G. Son poids sera de 220 grammes. Et évidemment, comme beaucoup de smartphones d'entrée de gamme, il mise sur l'autonomie de la batterie. Il aurait une autonomie absolument merveilleuse. Une batterie donc de 5000 mAh, compatible avec la charge 18 watts. Donc c'est de la charge rapide, si je dis bien. À ce prix-là, il y aura quand même un lecteur d'empreintes digitales. Une prise jack 3,5 mm. Prions pour nos pêcheurs. Et un joli module photo, puisqu'on aura un module grand angle de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Franchement, il est bien doté. Alors toujours pareil, pourquoi est-ce que le grand angle fait 48 millions de pixels? C'est idiot, d'accord, mais pourquoi pas? Mais c'est idiot. Le Nokia G50 sera commercialisé sur Android 11, mais la marque a annoncé qu'il était prêt à recevoir la mise à jour d'Android 12 quand elle sera disponible. Ce Nokia G50 vient compléter une gamme Nokia G positionnée à petit prix en marge d'une série X, plus performante évidemment, plus perfectionnée. Voilà donc pour la petite annonce de la semaine, un nouveau smartphone de chez Nokia à petit prix et 5G. Ça va être pas mal. Alors il n'y a pas encore de date de sortie, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Voilà, si vous connaissez la date de sortie de ce smartphone, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires, ça fera avancer tout le schmilblick. Merci beaucoup. Voilà, petite actualité légère pour cette semaine. En attendant la semaine prochaine, j'espère, si je peux le faire, le live de 12h. Ouais, parce qu'on a atteint les 2000 abonnés. Je voulais encore vous remercier pour ces 2000 abonnés, vraiment très sincèrement. Je vous avais déjà remercié dans un short. Si vous ne suivez pas la chaîne YouTube, bah, j'ai fait un de mes premiers shorts. Voilà. Merci, vraiment. Et chose promise, chose due, et ben, je vais vous faire un live de 12h, de 9h du matin à 21h le soir. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais le faire. Je vous le dois, donc je vais le faire. C'est comme ça, c'est normal. C'est la famille. On va fêter ça ensemble. J'espère pouvoir faire quelques petites choses dans cette journée, comme par exemple pouvoir sortir, faire un peu de loisir. Je vais faire un test PCR, voilà, rien que pour vous, je vais faire un test PCR. Et ouais, mon premier test PCR, tout premier, ça sera pour vous que je vais le faire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, ne remerciez pas, non, arrêtez, non, s'il vous plaît, non, c'est trop, arrête de pleurer, toi. Merci pour les 2000 abonnés, vraiment. Et vivement le live de 12h. Hein. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Voilà. N'oubliez pas, hein, je suis présent sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. C'est dans la description. Vous cliquez. Cliquez, bande de salopes. Hein. Et j'ai une chaîne Twitch aussi. Ouais, suivez-moi sur Twitch. Hein. Twitch.tv/CCBofficiel. Je suis en live tous les mercredis à 22h. Voilà. Et le raid mémorable qu'on a fait la semaine dernière, c'était beau. Twitch.tv/CCBofficiel pour me rejoindre sur Twitch tous les mercredis à 22h, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, vous savez tout, c'était Seb. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine, dimanche 11h, ici sur YouTube. Et mercredi, 22h sur Twitch pour le live. Des bisous. Ciao, Bessimer.